Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, je voudrais avant tout propos excuser le porte-parole du gouvernement qui est absent pour cause de maladie. Et je voudrais à l'entame de mes propos vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022 à tous et à toutes. Une bonne et heureuse année à vous-même, à vos familles. Nous avons eu en 2021 une année fructueuse en collaboration. Nous nous réjouissons donc du niveau de collaboration et du suivi donc des points de presse au niveau donc du Conseil des ministres et surtout de la qualité des rendus. Et je voudrais souhaiter que l'année 2022, qui démarre maintenant, aille dans la même dynamique et que cette collaboration bonne puisse se poursuivre. Ceci étant, nous avons eu un conseil de gouvernement, de ministres, pardon, aujourd'hui, présidé par le président de la République, qui a été consacré essentiellement aux échanges de vœux entre les membres du gouvernement et le président de la République. Le Premier ministre Patrick Hachi donc a pris la parole au nom de l'ensemble donc des membres du gouvernement et en son nom personnel pour présenter ses vœux au président de la République. Il a eu au cours de son adresse avoir une pensée pour ses prédécesseurs, les premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, et s'est engagé à poursuivre leurs œuvres. Le Premier ministre est revenu dans son discours sur les grands dossiers de 2021, notamment la gestion de la crise sanitaire liée à la COVID-19, qui a été bien gérée par le gouvernement, les questions liées à l'amélioration des conditions de vie des populations, avec tous les efforts qui ont été donc faits par le gouvernement dans ce sens, notamment donc l'adduction en eau potable dans nos différentes localités, l'électrification de ces localités, l'assainissement, les infrastructures. Et ensuite, le Premier ministre donc est revenu sur la reprise du dialogue politique. Pour l'année 2022, il s'est engagé avec le gouvernement à poursuivre donc les efforts autour des trois priorités définies par le président de la République à l'occasion de son adresse à la nation il y a quelques jours. À la suite donc du Premier ministre, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a pris la parole, donc a présenté aussi ses vœux, souhaité ses vœux aux membres du gouvernement. Il a félicité le chef du gouvernement et l'ensemble du gouvernement pour le taux de croissance positif obtenu en 2020 et en 2021, en dépit donc de la crise sanitaire que nous connaissons. Et il a exhorté le gouvernement à poursuivre ses efforts en 2022 autour donc des trois points donc sur lesquels il est revenu, trois points qu'il avait déjà énoncés à l'occasion de son discours à la nation. Il s'agit essentiellement de la transformation structurelle de notre économie, avec une priorité sur donc le développement du secteur privé. Il s'agit donc de l'emploi des jeunes et des femmes, avec une politique plus accrue en matière de formation professionnelle, l'école de la deuxième chance, le service civique et les activités génératrices de revenus pour nos femmes. Et ensuite, le troisième point, il s'agit donc de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption. Le président a souhaité ses vœux de santé et de bonheur pour tous nos compatriotes et ses vœux de stabilité et de paix pour notre pays. Au titre donc des divers, le président de la République a annoncé le report de la cérémonie de présentation des vœux des corps constitués au chef de l'État, et vous le comprenez aisément, à cause donc de la situation de la COVID-19 ces derniers jours. Il en a profité pour inviter l'ensemble de la population ivoirienne à continuer à se faire vacciner et à respecter les mesures barrières. Donc voici la substance donc du Conseil des ministres de ce jour. Je suis donc à votre disposition éventuellement si vous avez des questions sur le contenu donc de ce conseil. Merci beaucoup.
Bon, je pense que il n'y a pas de questions. Est-ce que sur l'actualité, il y aurait des questions? Bonjour, Monsieur le ministre. Oui, bonjour. Je suis Benoît Cadio du journal justinfo.net et du journal également L'École. Ma question va à l'endroit des élèves qui ont été internés à Bébresseau. La dernière information dit qu'il y a 70 qui ont été libérés, alors que la dernière fois, vous avez annoncé plus de 70 et les autres. Alors, sur la question, vous devez savoir qu'effectivement, il n'y a que 70 élèves qui ont été amenés à Bambresso. Ces 70 élèves ont eu donc 2 semaines d'encadrement à la culture du civisme, le respect de l'autorité, le respect de leur environnement. Et parce que nous ne voulons pas porter entorse au droit de ces enfants à aller à l'école. Donc, bien évidemment, après ces 2 semaines d'encadrement, ces enfants ont été remis à leur famille et donc pu regagner leur famille et donc ont pu regagner les cours à partir de lundi passé. Et donc il n'y avait que 70 personnes. Donc il y a 175 personnes qui ont été listées en tout, mais ceux qui ont pu intégrer Bembresso, donc étaient au nombre de 70 et les 70 ont regagné leur famille. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, il n'y a pas de question. Je voudrais en tout cas vous dire merci. On vous réitérera encore une fois nos meilleurs voeux et vous dire que le prochain conseil des ministres aura lieu la semaine prochaine, c'est-à-dire le mercredi 12 janvier 2022. Je vous remercie.